Ok, donc j'ai trouvé un cavalier crépusculaire. Donc c'est pour ça que je mettais tout le temps le jeu de nuit et j'ai bien fait. Parce que j'ai enfin retrouvé ce foutu cavalier crépusculaire de merde. En fait, il y en avait deux. Il y en avait un qui est là, en face de moi, et un autre qui était en Kaelid. Donc j'ai vraiment bien fait de mettre constamment le jeu de nuit, puisque je savais que j'allais retrouver ces cavaliers crépusculaires. Et c'est fait. Et là, je pense qu'avec mon niveau actuel, bah, ça devrait aller niveau dégâts. Allez, allez, il passe. Ouais, il passe, il passe. Voilà. Tout simplement. C'est bon, c'est fait. D'un truc, ouais. Cendre de guerre, trac géant. Oh. Et oula, voûte de cavalier crépusculaire. Hein, ça m'a l'air pas mal, ça. Voûte de cavalier crépusculaire. Celui-là. Donc c'est une hallebarde. Un scaling en force. Alors tu vois, il dit qu'il s'avère redoutable à dos de monture. Donc j'en conclus qu'il fait plus de dégâts quand... Ouais. Mais bon, après tout ce qui est hallebarde, hein, j'ai la hallebarde dorée, donc franchement, il y a peu de chances que je change de hallebarde, quoi, tu vois. Je vais pas troquer ma hallebarde dorée contre une autre hallebarde qui fait moins de dégâts alors qu'elle a le même moveset, quoi. J'ai envie de dire, l'intérêt éventuel, ce serait que je puisse enchanter l'arme. Ça, oui, en effet, ça peut être un avantage, mais là aussi, hein, je fais tellement de dégâts avec ma hallebarde dorée qui est de niveau 10, hein, je le rappelle. Donc voilà quoi. Ouais, là vous êtes devenus mes sacs. Hein. Parce que là j'ai la lame blasphématoire qui a plus 9. Donc presque plus 10. Hein. J'aime bien leur armure là, Gelmir. Là, ils sont évidemment trop faibles pour moi.